Mesdames, Messieurs, la famille, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur la plateforme Nord. Et moi, c'est Zami, nos collaborateurs, nous. Merci Dieu. Merci en pile à tout le monde. Et qui a suivi votre chaîne YouTube, ça. Tout le monde qui a regardé nous et puis qui a suivi nous. N'ap mande nous, si nous remet travail là, abonnez. Si nous pouvons encore faire ça, prenons un petit temps abonné. Comme ça, nous permettons à la chaîne de grandir dans la communauté. Et puis tout, nous remercions tout le monde et tous les amis fanatiques qui ont partagé la vidéo. Jeudi, c'est lundi. Et nous vivons lundi 24 octobre. Toute équipe là à la ronde badé. Nous comptons rencontrer. Et nous pourrons partager avec vous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Et pendant le week-end, eh bien, Dr. Claude Joseph était dans la cour Miami, dans un hôtel. Une autre fois encore, la jeunesse haïtienne qui est dans la diaspora, yote chita, yote réuni avec Claude Joseph pour yon parler pays. Et bien, pire cause qui parlait, mesdames et messieurs, surtout sous oligarque qui nous gagne en Haïti, qui fin déchèpillé pays, yon monte yon système. Et système ça, et qui est en pile année côté la fini ensemble avec le pays. Il n'y a pas de façon. Et pour les monde qui veulent venir investir dans le pays d'Haïti, les monde qui veulent changement pour le pays, ça. Et bien, ils ont toujours campé en croix. Ils ont empêché les gens de venir investir. Ils n'ont pas investi seulement là pour être capable de soucier le pays, craser le pays, mettre des âmes dans mes jeunes garçons, forger gang et ça, seulement pour défendre l'intérêt. Yo. Et bien, Claude Joseph parlait sous toute cause ça. Nous pourrons inviter autant de Claude Joseph, côté l'invité jeunesse haïtienne, pour être capable de participer dans la politique, rentrer dans le parti politique. Et pas oublier, docteur Claude Joseph, il y a un parti politique qui l'a aidé, l'invité jeunesse là, et bien, pour être capable de rentrer dans le parti politique ça. Et bien, nous avons des chances d'entendre, si vous parlez de numéro de téléphone, nous avons temps pour nous capables d'entendre le numéro de téléphone. Il y a des gens qui carrément participent dans l'aide, qui c'est parti politique Claude Joseph, côté que ou même, si vous carrément posé candidat, et bien, vous êtes capable de gagner chance dans le parti politique, ça, côté c'est un paquet de jeunes qui la donne, et nous avons un pays d'Haïti, et c'est un paquet de 40 clous qui est toujours là sous scène politique là. C'est toujours la même figure, et vous n'avez jamais gagné pour le pays. Là. Yo pas jamais fait rien. Et bien, moment arrivé, et bien, pour la jeunesse capable de prendre la relève, pour nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, tout haïtien dans la diaspora, pour nous capables de rentrer dans le pays, pour nous faire politique, pour nous investir dans le pays, parce que tout autant nous camper loin, tout autant nous quitter ces monde qui a voté pour nous, les élections, ou pas le voter, ou quitter ces monde qui votent pour nous. Il y a des gens qui prennent 500 gouttes, qui prennent 1000 gouttes, mais ils ont encore en plus, c'est les mêmes qui peuvent voter pour vous. Mais là où même vous faites choix, pas vous. Vous choisissez des gens qui ont une vision pays, des gens qui ont pensé pays, qui ont parlé pays, eh bien, nous sommes capables de gagner l'autre pays. Eh bien, et je ne dis à la jeunesse haïtienne, levez pied, ouvrez-vous, calez-vous, et pour nous capables de retirer le pays dans mes 40 plus ça, qui ont 10 d'antan sous pouvoir, qui n'a jamais réglé rien, seulement créer crise, gérer crise, et puis payer à même la fin n'est pas fini. M'a invité nous pour nous capables de tendre docteur Claude Joseph. Fini narratif yo, dans les médias. Yo fait, monsieur a passé comme une bête. Comme pivier monde qui est capable d'exister. Yo calonne famille. C'est ça même oligarque yo fait. Moi, j'ai regardé, par exemple, comment on commençait à prendre un pile attaque. Je dis, monsieur Saté, premier ministre, qui ça le régler dans le pays? Bon, je fais seulement 3 mois comme premier ministre en contexte difficile. Moun qui fait 10 ans à diriger le pays, je m'a dit pour me faire plus bon bagaille que ça qui t'a dirigé pendant 10 ans. Vous comprenez? C'est comme ça oligarque. Et yon qui me dit yo. M'a regardé de moun qui parle de moi, m'a regardé dans la glace, m'a dit est-ce que c'est de moi-même? Ti Claude c'est CIA. Ti Claude c'est volé. Ti Claude c'est criminel. Même dit m'a habitué à ça. Parce que nous avons fonctionné beaucoup de président Jovenel Moïse. Moi, te wè un monde qui a pas fini, tellement yon t'a assassiné caractère. Ce n'est pas facile du tout. Donc, critique yo, m'vle di nou sa aswea, que moi imperméable aux critiques,
moi j'ai développé une immunité contre les critiques. Cependant, m'accepter ça qui est bon. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Donc, je dis à Soya que je continue la bataille là. Ce n'est pas facile en Haïti. Premier ministre, après le premier ministre, il est entré la caillou, il fait silence avec la famille. Alors que moi-même, je suis engagé dans une bataille contre un système qui est un système générateur d'exclusion. Je suis entré dans une bataille contre les gens qui ont en pile l'argent. Je connais, je dois faire en pile précaution. Il y a deux choses qui sont importantes. Les gens qui ont prié, ils m'ont demandé de prier pour moi. Je ne sais pas comment prier. Je ne sais pas comment faire, mais prier pour moi. Mais l'autre précaution qui vient avec la sécurité, je m'apprends. Je ne sais pas comment me dormir, je ne sais pas comment me lever. Donc ça, il est important pour moi parce que sinon, je n'ai pas de chance pour venir parler avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas facile du tout pour faire politique en Haïti. Et ce n'est pas tout politicien qui corrompu. Moi, ouais, en pile en Haïti qui gagne une volonté, qui voulait faire une différence. Mais ce système-là, il est agencé pour récompenser ce qui n'est pas bon. Nous sommes capables de constater depuis un bon temps, un bon petit temps, moi-même avec un pile d'amis, Dr. Omega, Sterling, en pile jeune en Haïti, n'a monté des cendres dans tout le pays. Mais c'est après que je viens faire une expérience en l'État. Je fais une expérience en l'État, d'abord comme chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Ensuite, je vais servir sous leadership président Jovenel Moïse comme ministre des Affaires étrangères. Et puis, à la faveur d'une circonstance, je viens Premier ministre. Premier ministre, pour un petit bout de temps, Premier ministre quand même. Expérience dans l'État fait me comprendre grosse défi en jeu qui gagne en Haïti. Expérience fait que moi confronté ça me gagné comme hypothèse l'aime dans la diaspora même Jacques nous comme professeur dans l'université, moi j'ai chance enseigner dans Long Island University. Moi j'ai chance enseigner dans UConn, University of Connecticut. Moi j'ai chance enseigner dans Fordham. Moi j'ai chance enseigner dans système CUNY, City University of New York. Moi t'ai qu'on a posé problème intégration diaspora. Moi pas de penser t'ai bail tête moins. Moi dit peut-être m'pas tourner dans politique en Haïti encore, moi vi non chercheur. Moi, je suis intéressé à la question académique. Je casse que Yorelim pour mal servir le pays comme ambassadeur. Moi, j'ai toujours qu'on a posé problème dans tout ça m'a écrit dans le journal sur l'importance, engagement et implication dans la diaspora. Mais là, je vais à Haïti, mais ça m'a. Moi, j'ai un système qui mettait en place. Et système ça, son système d'exclusion. Et diaspora, compétence, répertoire de compétences que nous gagnons dans la diaspora, c'est une victime de système ça. Comment? Politiciens traditionnels, ils ont un pile problème avec cadre qui dans la diaspora. C'est d'abord, ils ont peur de compétition. Puis, pour le monde, Haïtiens et Haïtiennes qui ont licence maîtrise et doctorat à vivre dans la diaspora. Donc, véritable répertoire de ressources humaines qualifiées existait dans la diaspora. Mais le système ça, les constitués sont une barrière à l'entrée pour la diaspora. Expérientiellement, vivio. Le investisseur haïtien, haïtienne qui a vivre dans la diaspora à en Haïti, même si vous avez un plus gros contact qui existait en Haïti,
système ça, qui c'est un système générateur d'exclusion, d'extrême pauvreté et de violence, yo fait au camper loin. Moi, j'ai un pile exemple. Côté gagné en pile, amis qui viennent avec Haïti, avec belle idée et y'a un corps. Yo bien avec ministre des Affaires étrangères ou bien président. Mais système ça, qui gagne 5% monde, qui gagne 85% richesse pays à main yo, son système qui combat toute concurrence loyale. Son système qui kembe loin, 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 tout petit pays qui fait en pile effort pour venir investir ou bien venir bay connaissance en Haïti. Il y a en pile anecdote. Système ça, c'est un véritable système pesé sous ses. C'est un véritable système d'exclusion et d'exploitation. Diaspora, Jean, yon zami sou di la, un collègue, yon contribue en pile dans l'économie pays. Donc, yon wè diaspora comme un bastion de moun ka voye kòb. Mais chaque fois que moun sa yo vle al an Haïti pour yo al investi, c'est soit yo fè yo kouri kite pays a. Parce que 5% moun sa yo gen contrôle gang yo tout. Politiciens traditionnels yo pa vle moun ki éclairé, ki gen l'argent, ki consacre le développement vin investi en Haïti. C'est ça que fait yo formé sa un économiste rele un réseau sociaux d'accumulation. C'est un petit groupe famille, exami, qui contrôle tout secteur dans le pays. C'est yo qui contrôle secteur technologique là. C'est yo qui contrôle secteur énergétique là. C'est yo qui contrôle secteur finance là.